matin. Voilà, c'est le matin. Ah, genre là, t'es en pyjama. Voilà. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Nasdas. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. On t'a fait un putain de relooking. Quelques jours après, regarde comment je te retrouve. Je suis le matin, mon sang. Quoi? Je suis le matin. Je suis le matin. Demain, ah, c'est le matin. Voilà, c'est le matin. Ah, genre là, t'es en pyjama. Voilà. Eh ben vas-y, rentre chez toi et reviens en bombe. Vas-y. Eh hey les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est au Mexique, sur la vie de ma mère, on est au Mexique. Oh, je suis un pétard. Il est un pétard. Je vais faire des bébés dans tout le Mexique, moi. T'as vu, tout le Mexique, je vais faire des bébés. Oh, je vais me marier, moi. Voilà, ça y est, c'est le jour J. Ouais, wow. Voilà, on va tout tuer. Ils sont au Mexique, et moi, je peux pas y aller parce que Morgane, elle dit qu'il y a trop de meufs là-bas. J'ai envie de pleurer, voilà. J'ai envie de pleurer, la tête de ma mère, j'ai envie de pleurer. Regardez, il y a qui avec eux? Il y a Ross l'enfoiré. Eh, voilà, ils sont avec Ross l'enfoiré. Eh, voilà, je suis très bon, j'ai envie d'y aller. Voilà, je... Morgane, tu lui dis, je vais rien faire, moi. Je vais juste profiter du sable. Une semaine de ma vie. Kerem, t'as vu là? Il y a ma sacoche. T'as le droit de prendre que 2 billets, d'accord? Allez, mets la main. 2 billets, Kerem. 2 billets, Kerem. 3. Vas-y, 3. 2. Vas-y, le. 1. Ouais. Showcase gratuit cappuccino avec la participation d'un guest surprise jeudi 22 février. Jeudi 22 février, soir, à la place 7, soit une ombre ou une ombreuse, et venez. Mais en gros, c'est quoi le concept? Tu vas faire un showcase gratuit, showcase un concert gratuit. Comme ça, parce que je reçois beaucoup de bons messages et beaucoup de motivation. Les gens, ils nous aiment beaucoup. J'ai dit, marahba. Et c'est qui l'invité surprise? C'est surprise, je peux pas dire, Nasdas, désolé. Hein. Il y a Asia qui est revenu la chanter. Et apparemment, elle a enregistré une musique. Elle va me faire écouter sa musique, parce qu'avec son délire de musique, tu vas pas t'arrêter. Non, cette année, c'est moi, je vais tout. Écoutez, je suis une influenceuse, je veux devenir rappeuse, je le suis déjà, et cette année, c'est moi, j'ai le disque d'or. Je veux tout péter cette année. Inch'Allah. Si Dieu le veut, Inch'Allah, c'est moi, je pète plus que tous les rappeurs qui sont connus, là. Il y a un truc que je comprends pas. Tu sors un son, pourquoi tu clashes Floriana? Parce qu'en fait j'ai compris, quand tu lances un rap, si tu veux péter dedans, faut clasher. Et tu sais très bien que... Pour percer dans le rap, faut clasher. Et du coup tu clashes Floriana pour percer. Du coup je fais ça pour percer. Ce que j'ai compris, c'est que ça pète, hein, ce qu'ils m'ont dit. Mais si tu veux que ça pète, clash moi à moi. Mais jamais de la vie, t'es mon grand frère. Je fous jamais. Moi et lui, j'ai une chance à que ça fait. Vous me sortez du cul, je fais ce que je veux. Mais vas-y, mais sors le son. Ah, 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 ah. Oh. Et toi, t'es plein de blabla, tu sais que parler. Arrête, Asia, non. Ça fait des mois et des mois que toi, Lauriana, et toi, Asia, vous vous disputez. C'est même plus des disputes, les gars. Ils sont à deux doigts d'en arriver aux mains. Elle quoi? Elle sort du cul. Une fois pour toutes, je pense qu'on va pouvoir régler ce problème. Avec plaisir. Je propose dimanche, Inch'Allah, si c'est faisable dimanche,
un combat de boxe. Ouais. Attends. Je vais lui arracher la tête. Mais je vais rien faire. Attends. Mais Asia, s'il te plaît, Asia. T'acceptes, oui ou non? J'accepte encore. Tu as vu, j'ai des couilles. Hé, parle bien. T'acceptes ou pas? Ouais. Hein? Elle n'est pas prête, j'ai déjà fait de la boxe, elle n'a jamais fait le corps, je vais lui arracher la tête. Regarde, c'est pas grave, c'est pas grave. Je le reconnais, ces temps-ci, je suis pas trop actif. Mais lâchez-les. Si vous verrez ce qui arrive, Inch'Allah, si vous verrez les projets qui se concrétisent très très bientôt, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi j'étais pas beaucoup actif. Et en fait, tout à l'heure, Mayel, il est revenu par lui-même à la maison. Et lâchez-les. Ni je crie, ni je me prends la tête. Je l'ai privé de sortir. Privé de téléphone. Et il a le droit à la télé que 2 heures par jour. C'était soit ça, soit j'ai juré que je lui donnerais plus le moindre petit centime. Que j'arrêtais, ça y est, même de, je lui parle plus. Et il a accepté sa sentence. Parce que, la chanté, se tatouer à 15 ans, Nasdas, Mayel, Galastunsi, pourquoi? Ça, c'est la vraie team. Ça, c'est la vraie team, Nasdas. Mm. C'est moi, toi, Tunsi et ton frère. On a commencé ensemble, on a fait ensemble. Il a trouvé une meuf? Mais c'est Sabrina, tu parles de Sabrina. Ah, ça va, j'irai plus mal. Voilà, il y a un truc que je comprends pas. La tête de ma mère, Sabrina, ouais. Tunsi, c'est ton mec. Tu l'as laissé aller au Mexique. Bien sûr. Il y a quoi de mal? Mais il lui a pas laissé le choix, mais en fait. Il va la tromper, de toute façon. Non, comment ça? Ah, vas-y, ferme ta gueule, toi. Commence même pas, toi. Commence même pas à faire le chicken love you, la tête de ma mère. Et pourquoi elle laisserait Tunsi aller au Mexique? Mais chacun son avis. Enfin, je m'en fous du sien, je te laisse pas. Mais wesh, mais c'est une dictature. Non, c'est moi. Une semaine, je veux juste aller une semaine. Non, mais... hey, les gens ne partent pas en vacances pour tromper leur femme. T'as vu, toi, Tunsi, il va voir la story. Et il va voir que t'es en train de dire à sa meuf qu'il va la tromper. Viens pas chez elle à la fin. Mais parce que c'est la vérité, c'est sûr qu'il va faire ça. Mais non. Mais t'as vu comment c'est un charreau. Mais oui, Mais t'as aucune peine. C'est une image qui veut se donner. Mais c'est une image qui veut se donner sur les réseaux. Moi, je le connais, Tunsi. C'est un mec fidèle. Et même, ce serait pas un mec fidèle, c'est mon pote. Je le balance pas à moi. Que si je veux pécho sa meuf. Non, si j'ai la vérité, je te le dirai pas. Lui, il te dit parce qu'il a envie de pécho. C'est juste que je le... Non, pas du tout. Donc voilà, c'était la story de Nasdas et de sa team, la Chienté. Donc, en Chienté à Saint-Jacques. Donc, c'est gentil de la part de Cappuccino de faire un showcase gratuit. Et quant à Asia, elle n'a pas écouté les conseils de Nasdas sur une autre story que j'avais publiée bien avant. Nasdas lui avait bien dit pourtant, ne fais pas écouter ton son, ça va te porter le mauvais œil. Voilà, ça va lui porter le mauvais œil, elle va pas percer. Non, lol, je rigole, elle a fait un effort là quand même. Elle a fait un effort, c'est pas encore ça, mais il y a un effort dans l'air de la part d'Asia, niveau rap, tout ça. Je suis presque étonné, carrément. Un effort dans la voix. Comme je lui dis, elle chante très bien, mais il faut qu'elle travaille sa voix. Il faut qu'elle travaille sa voix. Non, elle chante bien, mais elle a des bonnes idées. Comme quand elle a repris une lettre à une femme et elle a fait une lettre à un homme. C'est très original, tu vois. Il y a de l'originalité, tout ça. Il y a quelque chose, quoi. Donc, et Tunsi et Samos, j'allais dire en Thaïlande, au Mexique, bah ouais, en Mexique, là, c'est l'été actuellement, c'est l'hémisphère sud, j'ai pas bien compris ce qui se passe dans l'espace, j'ai aussi des amis qui sont partis en Thaïlande, je regarde leur story, tout ça, normal, c'est l'été là-bas, ils sont en t-shirt et tout, Dubaï aussi, ils sont en t-shirt, tout ça, donc ça doit être l'hémisphère sud, à mon avis. Et Hussle Enfoiré, ouais,
qui pratiquement tous les hivers, il les passe au Mexique, là-bas. Il y a des belles choses à voir au Mexique. Il y a des belles plages, il y a des belles soirées, il y a comment dire... Ah ouais, les grottes, là, avec les petits étangs d'eau, là, les petits lacs, tout ça, où Farès Salvatore, là, il sautait, comment ça s'appelle ? Il faisait des plongeons. Comment ça s'appelle déjà, ces criques, là ? C'était considéré sacré par les Mayas avant. Il y a les pyramides aussi à visiter. Mais bon, je pense que ça va, c'est aussi, ils vont pas visiter les pyramides Mayas, hein. Les pyramides aztèques. Ils vont plutôt, je crois, visiter les boîtes de nuit. Ma parole. Comment ça s'appelait déjà là, ces lacs là? Ces lacs. Enfin, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus du tout. Donc voilà, c'était la story de Nasdas et de sa team et le gros clash. Moi, elles vont faire un match de boxe entre filles, ok. Moi, j'aurais proposé une battle rap si. Si Lauriana s'est rappée un petit peu, une battle rap, ça serait pas mal, quoi. Ça serait pas mal. Comment on dit déjà ? Un contest, un... Je sais plus. Je sais plus. Une battle rap, clash. Après, elle a pas tort, comment elle s'appelle, Asia. Il faut clasher. Même pour faire des vues, faut clasher. C'est ça qui attire les gens, malheureusement. C'est le clash, c'est l'embrouille, c'est la bagarre. C'est... Alors que des choses intelligentes, ça attire personne. Des choses culturelles, historiques, tu fais pas de vues. Ou même si t'expliques la technologie d'un ordinateur, les nouvelles technologies, ça intéresse personne. Les gens, ils veulent la bagarre, la bagarre, la bagarre. La bagarre au-delà de la violence. Ma parole. C'est ça qui intéresse les gens, malheureusement, dans notre société actuelle. Voilà, ça reflète, on va dire, notre société actuelle. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.